Bonjour à tous et bienvenue sur cette table ronde qui va traiter de la science-fiction queer qui va poser des questions relatives au corps, etc. Alors, je ne suis pas Lady Marmotte comme c'est affiché à l'écran, mais Yann Larue. Et je vais commencer par vous présenter les invités, non sans remercier la fac. C'est rare qu'on remercie la fac, mais c'est l'occasion. Non sans remercier les organisatrices de ce festival qui ont fait un travail merveilleux et qui nous ont mis à distance des quatre coins de la France, puisque c'est ainsi que nous sommes. Alors, je commence par Cérian. Cérian est écrivain, il a été éditeur et actuellement il n'est plus qu'écrivain, si j'ose dire, si on peut dire qu'on n'est plus qu'écrivain, il est écrivain. Nous avons également Broussaille qui est Il y a les autrice. sons de chat. Cérian fait un signe pendant qu'on te parle. Donc Cérian, c'est lui ici avec sa chatte, je crois, enfin, ou, je ne sais pas, voilà. Et vous avez également Broussaille, donc elle, autrice de jeux de rôle, et notamment du jeu de rôle Terre suspendue. Elle a écrit beaucoup d'autres jeux de rôle également. Et nous accueillons également Célia, qui est écrivaine et qui va organiser un festival sur le queer et l'imaginaire. Il était temps qu'il y en ait un. Ce festival aura lieu à Strasbourg et s'intitulera Fantastique Queer. Alors, le queer, bon, ben, tout le monde ne sait pas forcément ici ce que c'est exactement que le queer. J'ai proféré une fois la phrase sur une interview de La Volte, la science-fiction sera queer ou ne sera pas. Une sorte de prophétie, vous voyez, façon prophète à longue barbe. En fin de compte, qu'est-ce que c'est que ce queer qui va donc révolutionner, selon moi et selon certains et certaines autres qui sont ici présents et présentes, donc qui va révolutionner la science-fiction. Eh bien, le queer, il y a des définitions très, très fines et poussées, mais disons dans une première approche, on va simplement dire ici que c'est ce qui remet en cause l'opposition binaire des genres. Alors, l'opposition binaire des genres, ça paraît compliqué comme ça, mais c'est extrêmement simple, hein. Vous vous baladez avec des chiens et quelqu'un vous dit « Oh, c'est une fille-fille ou c'est un garçon ?» Voilà, c'est la première question qu'on pose. Et même, bon, un enfant naît et on va tout de suite poser la question « C'est une fille ou un garçon ?» Voilà, vous voyez cette espèce d'obsession, cette attente d'emblée, pas du tout du biologique, tout le monde s'en fout manifestement du biologique, mais d'emblée l'attente d'un comportement social qui correspond au fait d'être fille ou garçon. Et c'est ça qu'on va aujourd'hui remettre en cause à travers le bonheur d'appartenir au monde de l'imaginaire par rapport à la violence symbolique qu'on subit constamment en tant que queer dans la société. Alors, pour ma part, j'ai choisi le prénom de Yann, Ian, avec un tréma, pour faire un peu américain, quoique les Américains n'emploient pas de tréma, mais peu importe, dans un but purement, je dirais, éditorial. Je me suis rendu compte qu'être une fille, ça faisait perdre la moitié des ventes, et si je voulais faire plaisir à mon éditrice, il fallait vendre des livres, et avec un prénom masculin, d'un seul coup, tout allait beaucoup mieux. Le livre se vendait, j'avais un grand prix de l'imaginaire dans la catégorie essai, et alors que j'étais là à ramper misérablement, qualifiée d'ovni et de misérable petite bête, d'un seul coup, c'était quelque chose qui... Ah, ben, qui faisait réfléchir que cette binarité, elle est binaire, mais elle est surtout différentielle, hein. C'est-à-dire que, disons qu'il y a un pôle plus et un pôle moins. Alors, malgré tout, ici, nous sommes dans une réflexion sur le travail de l'imaginaire par rapport à la question queer. Et la question que je vais d'abord poser, puisque j'ai ici Cérian et Broussaille, doit-on obligatoirement changer de corps pour s'adapter à l'attente implicite du regard social? C'est un peu la première question. Est-ce que c'est ça le queer? Est-ce que finalement c'est de déjouer cette attente? Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, on va commencer par Broussaille, par exemple. Honneur aux dames. C'est vrai que c'est une question que je me suis beaucoup posée. Et en fait, finalement, je pense que l'identité, c'est soi-même qui la définissons, en fait. Et les choses qui sont évidentes pour moi, si elles ne sont pas évidentes pour les autres, eh ben, elles doivent rester évidentes pour moi, en fait. Et est-ce que je ne sais pas si je dois répondre toujours forcément aux attentes des autres. Moi, mon premier rapport à la littérature de l'imaginaire, mon premier rapport à la binarité, c'était de me dire on vivait dans un monde de princesses et de chevaliers, parce qu'il n'y a pas d'hommes et de femmes dans la littérature de l'imaginaire chez les enfants, il y a des princesses et des chevaliers, et c'était évident que je n'étais pas le chevalier. C'est évident que j'étais la princesse. Et qu'est-ce que ça voulait dire? Je comprenais pas vraiment,
Mais je pense que j'ai gardé cette image toujours en tête et je suis toujours une princesse, même si je fais pas d'effort pour y ressembler, parce que je pense qu'en fait, on ne doit pas forcément ressembler à une princesse parce qu'on est une princesse. Voilà. Et toi, Serian, quel serait moi, ton... C'est pire parce que j'étais ni le chevalier ni la princesse. Moi, j'étais l'enfant sauvage. Très jeune, je me suis identifiée à Mowgli, puis après à Rahan. Enfin, voilà. Donc, c'était compliqué. Quand on m'a offert ma première poupée Barbie, j'avais 6 ans. On était en vacances en Suisse, je me rappelle. Et j'avais cette poupée qui portait un short et un dos nu et qui avait des longs cheveux. Et on me dit, elle s'appelle Barbie. C'est un prénom que je connaissais pas. Donc, je vais voir ma grand-mère et je lui demande, c'est quoi Barbie? Et elle me dit, c'est un vieux monsieur très méchant qui a fait mourir plein de gens. Donc, regardez ma poupée. Elle dit, c'est un vieux monsieur très méchant. Et moi, j'ai pas envie que ma poupée soit un vieux monsieur très méchant. J'ai envie que ma poupée soit une fille. Alors, j'avais absolument pas percuté que les nichons, ça voulait dire fille. Hein. Donc j'étais là, je dis, elle a les cheveux longs, ça pourrait être une fille, mais elle a un short, c'est donc un garçon. Parce que oui, à mon époque aussi, c'était pas trop permis aux filles de porter des pantalons. C'était pas tellement associé. Et donc, du coup, j'ai décrété que ma poupée serait une fille, même si c'était un garçon. Donc en fait, c'est fondamentalement non binaire. C'est ça, on est en train de converger rapidement vers le non binaire. Et du coup, on pourrait demander à Célia tout de suite comment s'est manifesté pour toi l'urgence. Je pense que c'était de l'ordre de l'urgence de créer un festival Fantastic Queer. Mon expérience, en fait, j'ai fait plusieurs coming out très très tard, mais il se trouve qu'effectivement, moi, le fantastique, c'était la science-fiction, c'était le seul domaine où je retrouvais des personnages qui pouvaient plus ou moins me ressembler, et c'était ni des princesses, ni des chevaliers, mais c'était des extraterrestres, c'était des robots, c'était des gens qui n'étaient pas dans le même système binaire et sexualisé dans lequel on est. Et j'ai eu la chance de pouvoir commencer à mettre des mots là-dessus grâce au sublime, merveilleux essai autobiographique de Mélanie Fazi, « Nous qui n'existons pas », donc sur la sexualité, donc elle apostrophe asexualité, et où elle a de très beaux mots sur les cases. Et on parlait juste avant du débat de la case homme-femme. Et c'est très bizarre parce qu'en science-fiction, en imaginaire, on nous dit toujours « mais ne vous mettez pas dans des cases, c'est pas bien, il faut aller au-delà des cases de la science-fiction et de la fantastique ». Et tu dis « ouais d'accord, mais alors moi je suis autrice, alors il y a certains jours je suis un homme, certains jours je suis une femme, puis en plus moi le cul ça m'intéresse absolument pas ». Et là ils disent « ah oui mais pas comme ça ». Là je me dis « alors là on va avoir un problème ». Et à peu près dans le même temps, j'ai rencontré un peu par hasard dans la rue à Strasbourg, truc totalement inédit, j'ai croisé Sabrina Calvo. Et je lui ai dit, écoute, tu sais, j'aimerais bien faire un jour une rencontre d'auteurs queer, en fait, parce que je suis militante queer au centre LGBT de ma ville. Et elle m'a dit, ah ouais, ouais, ça peut être cool. Et voilà. Et ça a commencé comme ça. Et du coup, on va être un tout petit festival, hein, parce qu'on est en association. Mais quand je vois l'accueil qu'on a, je me dis qu'en 2021, il y a de quoi faire quelque chose de très très grand et de répondre à une envie à la fois des auteurs et des autrices, mais des lecteurs et des lectrices. Je n'imaginais pas le besoin qu'il y avait sur ce genre de festival. Donc c'est finalement assez extraordinaire quand on y pense, parce que la science-fiction, oui. Elle a quand même une image encore, enfin surtout la science-fiction, peut-être moins la fantasy, mais quand on en parle, la science-fiction, les gens ils disent « oh là là, mon Dieu, des vieux mâles blancs morts dans des vaisseaux spatiaux en train de donner des ordres à leurs sous-offres dans la bonne tradition militaire ». On est apparemment extrêmement loin du queer. Et moi, je me rappelle effectivement l'horreur et l'abomination au moment où je suis arrivée pour la première fois dans ce milieu. Je me suis dit, mon Dieu, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il y avait que des prix pour les mecs? Enfin, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Où est-ce que j'ai donc atterri? Donc, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer qu'on est passé de cette ambiance, vraiment lourdingue, enfin, très, très, très masculiniste, comme on dit, hein. C'est pas masculine, hein, c'est vraiment masculiniste. Comment ça se fait qu'on est passé en quelques années, en si peu d'années,
à une ouverture féministe, au fait qu'on a commencé à parler d'autrice, au fait qu'on s'est même permis des jeux de mots du genre auteurice, autorice, éditorice, lectorice, etc. Comment ces mots-là se sont mis à être utilisés, comment est-ce qu'on est arrivé à parler de chartes de bonne conduite par rapport au genre dans les festivals. Pour vous trois, comment ça se fait qu'on en est si vite arrivé là? À votre avis, qu'est-ce qui a pu changer? Est-ce que c'est c'est à cause du fait qu'on est dans un monde de l'imaginaire? Est-ce que ça joue pour vous, par rapport à vos œuvres aussi? On n'en a pas encore parlé, on a parlé que de vos postures, disons, mais pas de vos œuvres. Le changement, je ne le constate pas. Si sur le papier, sans doute pour les autres, mais en ce qui me concerne, moi, je ne vois pas la différence. Je vois rien, aucun changement dans ma vie d'auteur. Je vois d'auteurice, s'il faut. Non, d'auteur. Autorice, c'est pour quand on dit les deux ensemble. Par exemple, si tu dis actorice, c'est les acteurs et les actrices. C'est pour la langue française adore les mots valises. Hein, c'est pour ça. Donc c'est très pratique de dire, par exemple, éditorice. Comme ça, c'est des éditeurs, des éditrices. On n'a pas à faire le détail. Oui, mais regarde, je suis pas un homme, je suis pas une femme. Donc c'est quoi le mot pour moi? On va l'inventer. Hein. Après tout, c'est pas pour rien qu'on est dans l'imaginaire. Hein. Il va falloir faire un effort linguistique. Hein. Donc oui, là tu es en train vraiment de poser la question du non-binaire. Vous, est-ce que les deux autres, vous avez l'impression que ça va mieux? Enfin, il y a indéniablement, je pense qu'il y a une évolution, alors qui vient du monde anglo-saxon, je pense. Plus américain, en fait, je le remarque au moins dans le jeu de rôle. Je pense aussi que le fait que l'anglais soit pas une langue qui soit aussi genrée que la nôtre permet d'évoluer plus rapidement. Parce que tout ce problème de langue qu'on se pose se pose pas en anglais, puisque en anglais il y a juste l'alternance i/she, mais qui est assez rapidement réglée en fait, et qui permet en fait plus de non-binarité en fait dans la langue. Et je pense que tout le vocabulaire qu'on utilise aujourd'hui, c'est souvent en grande partie des traductions ou des emprunts au monde anglo-saxon. Et toi, Célia, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense que rien ne nous est donné. Alors, effectivement, il y a une petite évolution. Moi, je vais un petit peu de temps en temps dans les festivals de l'imaginaire depuis plus de 10 ans. J'ai vu, effectivement, il y a une petite évolution, mais il faut gueuler. Il faut gueuler, il faut pas arrêter de gueuler. Encore hier, il y a une maison d'édition qui faisait des petites présentations, des livres avec leur représentation queer qu'elle éditait, ce qui est très bien, ils font un très bon travail éditorial. Ils ont dit, voilà, mais on va pas vous dire quelle représentation il y a dans les livres, parce que c'est spoiler. Du genre, une orientation sexuelle et une identité de genre, c'est un spoiler dans une histoire de science-fiction. Ce n'est pas possible, c'est absolument pas possible. Arrêtez tout de suite. C'est nos identités, mais ce n'est pas. Enfin, on a une histoire que nous devons construire parce que j'en suis. Je ne suis pas la seule. Beaucoup de sociologues queer le disent. Il faut qu'on se réapproprie ces histoires-là comme les auteurs et les autrices noires se réapproprient la leur. C'est normal. Mais c'est à nous de le faire. Nous ne sommes pas les sujets de votre histoire. On n'est pas des rats de laboratoire. On n'est pas des aliens ou des robots qu'il faut étudier dans les histoires. Laissez-nous écrire. Et il va falloir encore gueuler. Et comme les auteurs racisés, on a encore énormément de mal à avoir accès aux maisons d'édition. Voilà, c'est tout. Donc, il faut gueuler. Et je suis peut-être pas aussi pessimiste que Cérian, mais il faut gueuler. Et c'est très, très fatigant. Franchement, c'est fatigant. Il faut avouer, par exemple, quand je pense à une autrice de science-fiction qu'on a tendance à oublier dans la vie, Monique Wittig. Bon, pour vous, c'est pas du tout une autrice de science-fiction, hein, n'est-ce pas, cher public? Mais néanmoins, aux USA, c'est pas la couverture blanche de la littérature blanche, c'est vraiment une autrice de science-fiction. Elle est partie aux USA et ça lui a fait des vacances. C'est-à-dire que d'un seul coup, à part les reines et les bateaux, on foutait la paix aux gens avec la question du genre. C'est-à-dire, a student, c'était aussi bien une fille, un garçon, etc. Il y avait ce soulagement dont Broussaille a parlé, et qu'on n'a pas du tout en France, ce pays de tradition genrée avec le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Alors après, les gens, ils se bagarrent pour des solutions, hein, c'est-à-dire à ce moment-là, on met tout au masculin. Alors ça, c'était déjà la solution d'une certaine
institutrice anglaise au XVIIIe siècle, qui avait dit qu'il n'y a qu'à dire his pour tout le monde et l'affaire sera réglée. Il y a eu le they, le fameux they, qu'au début je ne comprenais pas du tout, mais qui en fait renvoie très bien aux personnes non-binaires. En anglais, les personnes non-binaires peuvent se désigner par they, et c'est un ancien emploi qui marche. Donc, il y a une facilité effectivement anglo-saxonne, et comme donc on peut s'accrocher d'une certaine façon au train anglo-saxon. Malgré tout, quand vous dites, et tout le monde le dit à peu près, qu'il faut se bagarrer, est-ce que vous avez quand même l'impression que le type de joie qu'apporte le queer dans votre vie, car c'est une joie, la queeritude est une joie, c'est pas seulement une théorie, c'est pas seulement etc. Est-ce que vous avez l'impression que c'est lié à vos œuvres? D'ailleurs, vous n'avez pas du tout encore parlé de vos œuvres, il serait peut-être temps d'en parler. Est-ce que c'est lié au plaisir que vous avez d'écrire, puisque tout le monde ici, d'une façon ou d'une autre, écrit comme écrivaine? Comme écrivaine de jeux de rôle, comme écrivain de fiction, ou comme écrivaine de fiction aussi. Est-ce que c'est lié pour vous? Est-ce que vous trouvez une sorte de refuge dans ce monde ou pas du tout, en fait? Parce que s'il faut encore se battre, même chez les gens de la science-fiction, c'est pas évident, quoi. Enfin, et de la fantasy, enfin, les gens de l'imaginaire. Je sais pas ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous avez l'impression que la joie que vous éprouvez à être queer, la joie éprouvée à être une princesse, un prince, un chevalier, une personne non-binaire, une personne asexuelle, etc., ou une personne qui définit son identité de genre par rapport au monde merveilleux de la fiction, est-ce que c'est quelque chose qui joue pour vous dans la joie d'être queer? Je ne comprends pas cette notion de joie que tu évoques. Ce n'est pas une joie, je veux dire, je suis ce que je suis. Et c'est pas forcément une joie justement parce que les autres l'acceptent pas ou le comprennent pas ou le jugent ou me demandent de le cacher. Enfin, on me l'a demandé très longtemps. Le fait de faire le coming out, ça n'a pas été toujours bien accueilli. Mon mari m'a quitté entre autres à cause de ça. Et je vois pas où est la joie. Mais malgré tout, tu trouves la joie. Dans l'écriture, il y a la possibilité de se construire l'identité et le corps qui correspondent et de vivre des histoires dans lesquelles on va être accepté ou dans lesquelles la non-acceptation va être le sujet du combat qui va mener vers une fin heureuse, justement parce que dans le livre, on a le contrôle et on peut obtenir cette fin heureuse. Mais sinon, dans la vie, tu sais... Quand j'étais identifiée en tant qu'autrice, j'ai eu des éditeurs qui me demandaient de m'habiller de façon plus sexy, qui me demandaient de mettre mes appâts féminins en avant, qui me demandaient de... Mais mon coin dans la gueule, t'as pas eu envie de les envoyer peut-être? Il fallait rappeler parce que ça allait attirer les acheteurs. Je ne faisais pas forcément... Les ventes, mine de rien, elles s'en ressentent. Quand tu es en salon, que tu es à côté, que tu es en dédicace, assis à côté d'un homme clairement identifié comme homme, et que tu vois des inconnus qui passent, qui sont des lecteurs potentiels, et qu'ils expriment à voix haute, sans même aucune gêne, leur mépris pour tes livres, qu'ils n'ont même pas regardé, retourné, ouvert, juste parce que pour eux, l'auteur est une femme. Et que par contre, ils vont s'intéresser au livre de ton voisin parce que l'auteur est un homme, dans leur image binaire des choses. Ou quand on t'explique que, t'as prévu une série longue en beaucoup de tomes, mais quand c'est écrit par une femme, ça se vend pas bien. Alors tu pourrais raccourcir le nombre de tomes, alors que pour un auteur homme qui prévoit un petit nombre de tomes et puis qui finalement rallonge, c'est pas grave, c'est bien, un homme ça vend. Une femme, ça ne vend pas. Oui, on est bien d'accord. Voilà. C'est sûr qu'un homme, ça vend. J'ai fait l'expérience. Ça marche. Ça pèse énormément aussi sur l'écriture. Là, je rame sur mon tome 3 parce que je dois entièrement revoir ma structure. Vu que, comme je suis encore identifiée comme femme, il faut que je fasse moins parce que sinon, ça ne va pas se vendre. Donc là, on est au cœur du problème. Mais il est coincé. Il est coincé par des impératifs économiques et commerciaux qu'il ne maîtrise pas. S'il était libre, Et Gélia et Broussaille, comment vous faites? Moi, je rejoins assez sérieux, en fait. C'est qu'il y a quelque chose qui a été remarqué très, très vite. On a la littérature de science-fiction et de fantasy pour adolescents et à jeunes adultes qui s'est développée, et c'est très bien, franchement, parce qu'il y a des pépites là-dedans. Mais voilà...
Enfin, je vais vous donner un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez la trilogie de Que Chiel de Jacqueline Carré, une espèce de soft porn, de fantasy, très très bien. Elle est classée en adolescent. Pourquoi? Oui. Parce que c'est Jacqueline. Mmh. Et on se retrouve avec les autrices et les personnes queer, les histoires queer se retrouvent automatiquement classées en young adulte. On n'a pas la porte de la littérature pour adultes de fantasy et de certaines maisons d'édition de l'imaginaire se ferment quand tu es une personne queer ou une femme. J'y suis entrée parce qu'à l'époque, on ne le savait pas, même moi, je ne le savais pas. Mm-hmm. Maintenant, je ne sais plus trop où est la place. Moi, j'avoue, comment tu... oui. Pardon. Moi, j'avoue le jeu de rôle, enfin, tu parlais de joie, mais pas forcément. Moi, c'est plutôt une libération ou une évasion. Et le jeu de rôle m'a permis quelque chose qu'aucun autre média m'a apporté. C'est-à-dire que c'était un jeu dans lequel on me proposait de jouer un rôle. Et je me suis dit que c'était super facile parce que je joue un rôle au quotidien. Donc, et en fait, ce qui est agréable, c'est que dans le jeu de rôle, j'ai pas à jouer un rôle. En fait, il suffit que je sois moi-même, en fait. Parce que on peut justement jouer quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, ça peut être soi-même, en fait. Puisque je joue un rôle au quotidien en fait dans lequel je suis un peu prisonnier, hein, un corps dans lequel je suis un peu prisonnier, et ben en fait je trouve dans le jeu de rôle la possibilité de m'évader en jouant en me jouant moi-même en fait et en étant beaucoup plus naturel. Et c'est vrai qu'en fait après je constate aussi que la jeunesse a changé aussi. Moi je trouve que le changement vient rarement par les vieux, hein, plutôt par les jeunes. Et la jeunesse a beaucoup changé. Enfin, je regarde les collégiens autour de moi qui, enfin, il y a 20 ans, savaient même pas ce que voulait dire le mot gay, qui aujourd'hui se sont appropriés le mot trans et le mot intersexe. Et je trouve que là, il y a une espèce de, en fait, j'en suis pas à ressentir une joie, mais j'en suis à ressentir un petit plaisir, en fait, de me dire qu'on est dans une société qui évolue doucement. Alors, nous, on verra peut-être la trace de cette évolution qui nous a marqués. Mais j'en viens à croire qu'il y a des choses un peu positives qui arrivent. Alors, je dis pas de jamais de la nomenclature, jamais du haut, hein, ça vient toujours du bas, mais ça ébranle un peu, je trouve, pas mal de certitudes en fait chez la plupart des gens. Quand j'entends des gens autour de moi, enfin en jeu de rôle, se définir comme pansexuel ou quoi que ce soit et sans que ça pose question autour en fait d'une génération qui a 20, 30 ans, je pense que c'est des choses qui me rassurent en fait, qui m'apaisent beaucoup en fait. Oui, oui, parce que tu continues à jouer un rôle dans le civil. Et d'ailleurs, oui. Tout le monde joue un rôle, hein, ce que Cicéron appelait l'éthos. Hein. Mm-hmm. Évidemment, hein, quand on doit défendre un criminel et qu'on est en train de dire « mais il a eu une enfance tellement malheureuse, vous comprenez pourquoi ?» on n'est pas en train d'être authentique, ça c'est sûr. Hein. Donc l'éthos, effectivement, il y a un jeu sur l'éthos, un petit peu des éthos. Bon, malgré tout, effectivement, c'était un peu provoque de ma part de parler de joie, de jubilation, d'être queer. On ressent beaucoup de difficultés, surtout quand on est au milieu de l'hétéronormativité violente, avec, disons, d'un côté, j'allais dire la structure sociale, hein, décrite par exemple par Silvia Federici, c'est-à-dire les femmes font un travail non payé, non considéré dans le produit national brut, qui vient de leur... dès qu'elles sont nées, elles sont construites pour faire la vaisselle, faire le machin, etc., de façon à... parce que le travail gratuit fasse continuer le capitalisme. Enfin, c'est une analyse peut-être un peu rapide là, mais il y a quand même effectivement cette violence symbolique constante qui fait que les hommes sont considérés comme supérieurs et les femmes comme inférieures, laisse peu de place pour les personnes asexuelles, pansexuelles et autres non-binaires, hein, surtout non-binaires. C'est une catégorie très très difficile à tenir, hein, une des plus difficiles, parce que d'ailleurs on est comment quand on est non-binaire physiquement? Vous voyez, c'est ça la question qui se pose aussi. On a des gros seins. Oui, oui, oui. Non, mais c'est ça. On peut. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent il y a une sorte d'uniforme pour beaucoup de. Maintenant, je dis comment ça se faire, quoi. Bon, on est censé avoir un peu l'uniforme de sa catégorie. Et ce dont vous parlez, c'est des cases, hein, du problème des cases, etc. Mais alors, dans vos travaux de fiction, que ce soit un travail de création de jeux de rôle, que ce soit un travail de fiction narrative, est-ce que comment s'exprime votre queeritude? Est-ce que il y a une espèce de fierté de queeritude? Est-ce que pour vous ça va de soi? Est-ce qu'au contraire c'est quelque chose que vous refoulez? Enfin, est-ce que ça vous pouvez parler un peu de ce que vous écrivez, par exemple? Je sais pas, on commence par Célia.
Bah écoute, bon, alors moi j'ai pas encore publié, enfin si j'ai deux romans en auto-publication, j'ai Oui. surtout publié des nouvelles. La première, c'était une des premières, c'était chez Hydromel. Et en fait, je me suis rendu compte que la plupart des nouvelles que j'ai écrites, soit c'était des nouvelles totalement pulp, donc qui se basaient sur des structures très téléphonées. C'est très très drôle à écrire. Soit je parlais des enfants. Donc ça a été le cas chez Hydromel, ça a été le cas pour le bal des méduses chez Griffe d'encre, parce que ça a un côté extrêmement rassurant. Je ne savais pas encore à ce moment-là que j'étais non-binaire et que j'étais asexuelle. Et depuis, j'ai dû passer par une phase de lecture de fiction non imaginaire et d'essais pour m'y retrouver un petit peu sur mes pattes. Et le roman que je suis en train d'écrire, ben c'est une trilogie, c'est de la fantaisie urbaine, il y a des vampires, il y a des chasseurs de vampires, c'est hyper balisé. Mais mes personnages sont ce qu'ils sont. Ils sont, voilà, ils sont asexuels, ils sont gays, ils sont trans. Et c'est ça la liberté. Parce qu'il y a 15 ans, quand j'ai commencé, où je voulais proposer des manuscrits de mon futur best-seller, on me disait, bah, écoute, si tu veux que ça se vende, alors on va pas parler du nom d'auteur, pas encore. Mais on m'a dit, ouais, bah écoute, il faut que ton héros, bah, ce soit un jeune garçon hétéro blanc. Et je Oui. pense que pendant très très longtemps, ça m'a beaucoup bloquée. Ou alors, Je il faut pense être que une héroïne de fantaisie éthérée, ce qui ne m'intéressait pas non plus, quoi, en fait, du tout. Oui, donc voilà une porte de sortie, l'auto-édition, ça fait des trucs absolument fantastiques, ça fait des textes extraordinaires et entièrement libérés des carcans qui sont encore les carcans éditoriaux. Moi, je me rappelle effectivement la Vestale du Calyx, c'était des lesbiennes. Le deuxième, c'était des lesbiennes un peu voilées, ça se voyait pas trop, mais le deuxième qui s'appelait Une fille geek, là, c'est pas passé parce que ça n'allait pas. Donc, je confirme cette. Mais moi, je me Alors. souviens, la première fois que j'ai lu un roman qui me ressemblait, c'était Hadès Palace de Francis Berthelot. Je me suis dit, ah, tiens, on peut écrire ça. Et Oui. ça a été libérateur quand même. C'était, waouh. Je me suis dit, ah oui, donc en fait, on peut. Oui, mais heureusement, il y a de plus en plus de d'éléments, enfin, il y a de plus en plus d'autoristes qui peu à peu commencent à marquer des petits jalons, quoi, qui permettent de s'accrocher, de s'identifier, ou de s'accrocher un peu comme quand on grimpe comme ça. Donc, il y a cette chose-là. Je pensais à Lizzie Krovdagger, qui disait elle-même, qui dit toujours, hein, bon, j'ai écrit des romans comme ça parce que je les trouvais nulle part, alors j'ai bien été obligée de les écrire. Donc, il me semble cette phrase-là aussi, pour marrante qu'elle soit, etc. T'éprouves ça, toi, Serian, par rapport à tes œuvres, à Bah, tes écoute, personnages. si tu prends ma série Le Livre de l'Énigme, mon Oui. personnage principal, Sheridan, tout le monde le prend pour une fille. Ça lui arrive même, il y a un chapitre dans lequel il se déguise en fille alors qu'il est encore enfant, il trouve ça extrêmement drôle, ça lui permet justement de ne pas se faire remarquer parce qu'il a un genre de beauté qui fait que justement bah, c'est associé à la féminité alors qu'il est un garçon. Et qu'il se sent garçon, mais en se déguisant en fille, et ben du coup, il choque plus, on le remarque plus. Donc, ça lui avait permis de se déplacer dans une ville de façon plus safe, on va dire. Mais sinon, ce côté, je suis un garçon et tout le monde me prend pour une fille, c'est complètement une transposition de ce que je ressens. Donc, Oui, donc, oui. je réponds aux questions que je me pose et je cherche des solutions aux problèmes que je ressens et que je rencontre, aussi au travers de ce que mes personnages vivent. Eh oui, je vois. Voilà. J'étais en même temps en train de lire une question du chat que nous allons poser à tout le monde, ce qui expliquait ce léger Je voulais flou. juste, ouais. Oui, vas-y. Je me rends compte aussi qu'il y a un poids en fait qu'on s'impose à soi-même et que la société nous impose à nous-mêmes. Moi, je m'étais rendu compte en fait alors du point de vue statistique, en fait toutes mes intrigues, il y a un moment, il y a quelque chose qui me choquait dans mes intrigues, c'est que tous les personnages étaient masculins. Et en fait, j'avais enfin absorbé en fait complètement cette chose-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait toutes les intrigues que je lisais autour de moi, les personnages étaient masculins dans la fantaisie. Et que même statistiquement, je me suis amusé à reprendre toutes les intrigues que j'avais écrites statistiquement pour voir. Et en fait, les seuls personnages féminins qu'on trouvait, c'était soit des prêtresses, soit des prostituées.
Dans la littérature de fantasy, ça devenait un peu un mème. Et donc, j'ai dû me forcer moi-même à changer le genre des personnages dans l'intrigue, tout simplement de façon comptable, pour me dire, déjà, assure-toi toi-même d'avoir une égale présence des hommes et des femmes, et sur des rôles qui seront pas forcément genrés. C'est-à-dire que ça peut être, il peut y avoir une forgeronne dans un village, il peut y avoir ça a été vraiment en fait un travail nécessaire, parce que je me rends compte en fait que par défaut en fait, c'est des questions qu'on se pose même pas en fait. On a une société qui est tellement masculine qu'en fait on a transposé tous les rôles essentiels comme des rôles masculins. Oui. Et c'est soi-même, même quand on se pose des questions soi-même, on est victime soi-même de cette espèce de carcan qui fait que, par défaut, un personnage va être masculin, en fait. Et c'est pour ça que j'ai... Vas-y. Justement, là, dans la société dans laquelle évoluent mes personnages, dans le livre de l'énigme, c'est une société masculine, et le rôle de Saredan, c'est de ramener l'équilibre, et l'équilibre, ça se traduit dans l'énigme par ramener l'âge des sorcières, et donc redonner du pouvoir aux femmes. Et tous les rôles de premier plan dans la guilde des mystiques sont interdits aux femmes lorsque lui il arrive. Et il y a un personnage, Mabev, qui a réussi à se faire passer pour un homme en utilisant des sorts d'illusion. Elle s'est fait passer pour son frère qu'elle a tué pour prendre sa place et rentrer dans ce séminaire et étudier et avoir accès. Et puis malheureusement, quand elle a eu ses règles, elle a fini par être trahie à cause de l'odeur du sang. Et donc, elle l'a payé extrêmement cher, et ça a eu même un impact sur sa santé mentale. Et même si Saredan va lui réparer son corps, il n'arrivera pas à lui réparer son esprit, et elle va devenir un antagoniste pour lui. Mais justement, on est obligé, quelque part, de partir d'une société masculine, parce qu'on est, nous, dans une société masculine, et de réfléchir à comment on peut faire une transformation pour aller vers une société plus équilibré et plus idéal que nous n'avons pas encore dans le monde réel. Célia, tu as quelque chose à ajouter ? Oui, mais en fait, ça, on parle d'une culture qu'on a depuis enfant, puisque de toute façon, quand on commence à sortir des contes et des histoires pour enfants, histoires pour petites filles, histoires pour petits garçons, moi, si j'ai grandi dans les années 80-90, je regardais les films d'action de soft SF et de fantasy qu'il y avait au cinéma. Pour me projeter dans le corps du héros ou de l'héroïne, je m'adaptais au fait d'être un mec. Marty McFly, c'est un des premiers que j'ai vu au cinéma. Je crois que même c'est le premier que j'ai vu au cinéma, des lives. Et c'est à la fois très drôle, et je trouve que c'est un peu dommage quand on dit aux hommes, habituez-vous à voir des femmes ou des personnes queer sur grand écran. Ils disent, ah oui, non, on peut pas s'identifier. Oui, mais nous, ça fait 40, 50, 60, 70 ans qu'on le fait, on y arrive, C'est pas grave. C'est tout. On arrive vachement à s'adapter en fait, puisqu'on le fait depuis tout petit. Oui, ça me fait penser à Histoire de dinosaures à lire à mon petit garçon, entre parenthèses, dès 3 ans. Vous trouvez ça sur Amazon. Alors moi, je regarde les commentaires Amazon et les gens disent « Ah, c'est merveilleux, mon petit garçon adore, c'est merveilleux !» Les gens, ils n'ont aucune réflexion, mais alors aucune. Donc on dit « Oh là là, l'humanité ne peut que progresser, elle part de si bas, si je puis dire. » Bon, voilà. Enfin bref, donc est-ce qu'il y aurait des petits moyens pour changer ça? Par exemple, d'essayer de mettre tout au féminin majoritaire, ce que propose Eliane Viennot. Le féminin majoritaire, c'est-à-dire vous jaugez votre assemblée, vous dites « Ouh, il y a plus de femmes que d'hommes », on va dire « elles ». Et s'il y a plus d'hommes, on dit « ils ». Oui, on est super égalitaire. S'il y a le même nombre de femmes et d'hommes, tout ça des assignés, c'est pas les femmes, les hommes, gna gna, c'est les assignés hommes et les assignés femmes. Je crois qu'il faut mettre ce petit préfixe « assigné », c'est-à-dire pour manifester la violence symbolique à l'œuvre dans la société. Donc en fait, si jamais il y a moitié-moitié, peu importe, vous voyez, c'est le côté un peu cool du truc. Alors, il y a des trucs avec les chiens aussi, quand vous rencontrez un chien, vous l'appelez elle,
Vous dites, oh, elle est jolie. Et du coup, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, oh mon Dieu, mais c'est un chien, ce n'est pas une chienne. Donc, ça fait peut-être parler des animaux comme Von Harburg, les animaux, L-E-S. Hein, effectivement, les mammifères, c'est des animaux, c'est elles. C'est pas des hommes. Hein. Les hommes n'ont aucun intérêt à penser simplement à l'ADN mitochondrial hein, qui permet de remonter des générations et des générations jusqu'à retrouver les sept Ève primitives, qui sont pas des Ève naturellement, qui étaient des femmes comme tout le monde, sauf qu'elles ont eu deux filles et qu'elles ont créé une sorte de lignée mitochondriale. Il y a des gens qui passent par la déesse, hein, la figure de la déesse pour réhabiliter le féminin, etc. Bon, on tombe vite évidemment dans les clichés, hein, je pense que vous allez être d'accord. Et là, on retrouve, disons, Marion Zimmer Bradley. Hein, je veux dire, la pauvre Morgane qui est là sur son île à faire et pendant ce temps-là, les hommes prennent le pouvoir. Bon, je vais peut-être un peu vite. Alors, il y a quelques questions que je vais vous poser qui sont arrivées entre-temps. La première, c'est clair, c'est expérimentez-vous des identités de genre autres dans vos œuvres. Je pense que vous avez partiellement répondu à la question, mais justement, est-ce qu'il vous arrive de vous aventurer? Est-ce que ça vous aide l'écriture, la construction, le jeu vidéo, le JDR? Ça aide aussi. Ça aide, oui. Ça aide à se sentir moins seul. Je pratique avec le MMORPG, dans le MMORPG auquel je joue, je me suis fait mon corps idéal. Et c'est très drôle parce que il y a plein d'autres joueurs qui le prennent pour une fille. Ah oui, autrement dit, c'est le jeu vidéo est un. Et c'est peut-être encore mieux que le JDR pour ça, à votre avis. L'esthétique que je lui ai faite, qui est l'esthétique qui correspond à mon image mentale, c'est un homme, mais ce n'est pas un homme type macho, tu vois. C'est un homme princesse, oui. Et je me sens jamais autant féminin que quand je suis homme. Alors qu'en tant que femme, j'arrive pas à être féminine. C'est compliqué. Oui, c'est ça. C'est l'idole de ma jeunesse, le Rocky Horror Picture Show. Comment il s'appelait, le gars? Tim Curry. Tim Curry. Frankenfurter. Oui. Oui. Alors, c'est vrai qu'on parle beaucoup de joie, on pourrait aussi parler de tristesse, hein, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui en meurent. Enfin, c'est pas toujours drôle d'être queer, on est bien d'accord, c'était un peu provoque. Je passe quand même à la deuxième question avant de revenir sur ce point. Et c'est une question de Katie Stewart. La nécessité de combattre pour faire accepter ces facettes de votre identité ne vous enlève-t-elle pas la liberté de créer sur d'autres thèmes? Effectivement, c'est le problème du roman à thème, du jeu de rôle à thème, ou du tout ça. Alors, personnellement, je pense que toutes les discriminations fonctionnent de la même façon, en fait. Donc, en fait, quand on lutte pour une discrimination, on en vient à s'intéresser aux autres formes de discrimination. C'est pas possible de dire on va s'intéresser à la question homme-femme sans s'intéresser à la question blanc-noir, sans s'intéresser à la question riche-pauvre, sans s'intéresser à la question gros-maigre, parce que c'est des choses qui résonnent à chaque fois, puisque en fait, ce qu'il y a de commun dans toutes les discriminations, c'est les mécaniques de discrimination, parce que au final, quelle que soit la raison pour laquelle on nous discrimine, on le fait de la même façon, en fait. Donc, les bourreaux sont les mêmes, les victimes sont à chaque fois différentes, mais les bourreaux sont les mêmes et les mécaniques sont les mêmes. Donc, dès qu'on s'intéresse, en fait, à une forme de discrimination, on en vient à s'intéresser aux autres. Et je pense qu'on a peut-être un avantage, parce que quand une personne non concernée par la discrimination écrit sur une discrimination, des fois, elle se plante. Souvent même, elle se plante. Nous, comme on sait comment on peut nous écrire, et comme on nous a souvent écrit mal, les critiques qu'on peut se prendre quand nous écrivons sur une autre discrimination, on peut les prendre mieux. Il y a toujours cette idée de s'adapter et d'accepter une critique, d'accepter de se remettre en question. Parce que déjà, nous, on a remis souvent plusieurs fois nos propres idées en question, souvent notre propre positionnement politique aussi. Et du coup, on s'adapte peut-être plus à une personne qui me dit, là, tu as voulu traiter du racisme, mais en fait, tu t'es un peu planté, et puis tu fais un petit peu d'exotisation quand même, essaie de revoir ça, et on va le comprendre parce qu'on va pouvoir avoir lu un autre bouquin en disant, oui, excuse-moi,
ta femme lesbienne, elle fait vraiment camionneuse, mais elle fait que ça, quoi, et ça fonctionne pas, et c'est pas bon. Donc, je pense qu'il y a peut-être ça. Après, je dis bien peut-être, parce que pour être aussi militant dans une association LGBT, je sais que, excusez-moi de la grossièreté, des cons, il y en a partout. voilà. Et bon, voilà, on a peut-être ça. Et pour répondre à la question de Kitty, comme j'ai dit, on écrit de la science-fiction, de la fantasy. Nos identités sont nos identités. L'identité de nos personnages est l'identité de nos personnages. Nous en faisons un combat, mais nous avons des histoires autour aussi. Nous n'écrivons pas forcément des livres manifestes. Et tu as l'impression que peut-être, justement, quand on commence à faire preuve, là on a parlé vraiment d'intersectionnalité, hein, tout à l'heure à travers ce que disait Broussaille, c'est-à-dire la convergence des discriminations, et là je reviens sur ce qu'a dit Célia, ça veut dire que du coup, Célia porte sur son dos, si j'ose dire, le poids du queer, et du coup les gens, ils ont tendance à pointer et à dire « Oh, pas beau le queer !» beaucoup plus que… c'est-à-dire que est-ce qu'il n'y a pas une sorte de… c'est très curieux de voir, hein, il me semble, c'est vrai que les gens pointent comme par hasard, dès qu'il y a du queer, les gens pointent et agressent beaucoup plus. Alors que si vous êtes un mâle blanc mort, bien confit dans ses années 50 avec cravate et bien lavé sur lui et bien propre, à ce moment-là, les gens vont dire « Ah, oh, votre œuvre est extraordinaire !» sans réfléchir une seconde à… Même si on n'est pas propre, hein. Oui. On peut aussi. Oui, est-ce que ça implique comme violence symbolique à des auteurs antisémites et racistes, hein. Il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. C'est encore récemment, hein. Donc, oui, hein, donc en fait. Oui, et être mec. Blanc, ça aide. Oui, être blanc et mec, ouais. Alors là, il n'y en a pas d'autre. Enfin, toutes les gloires sont blanches et masculines, hein. C'est clair. Et puis, blanche et masculine, cis. Surtout pas trans, hein, ça. Mais sinon, à moins justement d'avoir un passing, comme on dit, absolu, et que on cache son secret. Le mot passing venant, comme on le sait, de l'univers racisé. C'est l'idée que les noirs, certains noirs, peuvent passer pour blancs. Là, la violence symbolique, elle est à son comble, hein, avec cette notion-là, qui est pourtant très courante chez les trans, hein, qui n'arrêtent pas de parler de l'autre rive. L'idée que bon, il faut faire un certain nombre d'actions qu'on donne au social, comme un cadeau pour le social, quoi, l'offrande, oui. Oui, il faut se transformer pour être conforme à l'image que les gens développent. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions là? Non, bah pour l'instant il y a pas d'autres questions. Donc faut pas hésiter à poser des questions sur le chat qui est, je le rappelle à tout le monde, sur Facebook. Mm-hmm. Et forcément le chat est coupé sur, ça peut surprendre, hein, parce que les gens cherchent péniblement le chat sur YouTube, mais en fait c'est etc. Donc alors la joie d'être queer, elle est forcément tempéré par le fait que, les gens meurent, les trans sont assassinés, les personnes non binaires se heurtent constamment à des violences de toutes sortes, à commencer par la violence de la carte d'identité, etc. Ils sont peut-être tout le temps obligés. Oui, j'ai une question au fond de la classe. Allez, vas-y, c'est rien. Vas-y, oui, je voulais dire que pour rebondir un peu aussi avec ce que disait Célia, comme quoi, bah, des cons, il y en avait partout. Même au sein de la communauté queer, il y a des groupes qui se déchirent entre eux. Je veux dire, des gays transphobes, il y en a. Des TERF, il y en a. Enfin, je veux dire, c'est même entre nous, on n'est pas tous acceptés pareil, et c'est pas évident du tout. Donc est-ce que c'est si grave? Alors c'est vrai que les gens se trompent, hein. Ils attaquent la copine ou le copain au lieu d'attaquer le système. Ouais, par exemple, il y a des trans qui considèrent que si tu te fais pas opérer, t'es pas trans. Oui. Mmh. Oui, mais tout le monde ne veut pas. Oui, les TERF, c'est vraiment l'horreur, quoi. Et puis en plus, dans le milieu de l'imaginaire, on en a une supportrice adoubée internationalement, et c'est insupportable, quoi. Ouais, moi j'en ai des frissons, quoi. Quand les caméras se sont allumées et que j'ai vu la composition de notre table ronde, première chose à laquelle j'ai pensé, c'est il y a personne de couleur. Non. Mmh. Non, bah oui, oui. C'est comme dur, quoi, tu vois, c'est, oui, on va écrire, comme disait Broussaille, on va écrire,
entre autres sur ça, parce que ça nous compose, ça, c'est présent dans notre esprit, donc nous on ne l'occulte pas, nos personnages le sont, mais on est sensible à toutes les luttes, effectivement. Donc voilà. Oui. Et on essaye, bon, nous on est blancs, donc on essaye d'être des alliés, parce qu'on ne peut pas parler pour les personnes concernées sur ces domaines-là, puis on va parler sur les domaines qui nous concernent, et puis voilà. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va l'occulter de nos œuvres. Oui, bah de toute façon, oui, c'est clair. Mais alors du coup, comment dire, le festival Fantastic Queer, il va peut-être apporter un entre-soi malgré tout qui pourrait dépasser ces querelles, Bon, nous, ce qu'on a décidé au départ de Fantastic Queer, c'est déjà ça se passe dans une association LGBT. Pas dans une grande salle, alors déjà parce qu'on n'a pas de sous, puis parce qu'en plus il y a quand même le cadre politique. Et on a décidé que pour les invités, ce ne serait que des own voice, donc que des personnes concernées. Alors du coup, il faut que les auteurs et les autrices soient out, donc revendiquent leurs identités. Et le deuxième pas qu'on a fait, c'est moi j'étais très, je connaissais beaucoup, enfin un certain nombre d'auteurs queer. Dans le milieu de l'édition SFF. Maintenant, j'ai un couple d'auteurs qui a écrit un super roman steampunk, mais qu'il a écrit chez Juno Publishing, donc dans une maison d'édition queer. Donc, on va déjà se faire croiser ces deux mondes de l'édition. Parce que le monde de l'édition LGBT, ça reste une édition de niche encore plus que la SFF, puisque celle-là, on ne la retrouve plus à la FNAC. Elle y a été il y a 20 ans, elle n'y est plus du tout. Et la troisième étape, ça va être de faire devenir des auteurs et des autrices auto-édités. Donc, en fait, il y a un entre-soi pour le monde. Il y a un entre-soi, oui, on me l'a déjà dit, mais pourquoi vous divisez encore? C'est pas la question, le festival, il n'est pas pour toi, en fait. Il est pour nos jeunes lecteurs, il est pour nos jeunes bénévoles, pour les gamins qui effectivement, ont commencé à écrire de la fanfiction en lisant Harry Potter et qui se rendent compte que leur autrice, c'est une catastrophe. C'est une connasse. Et on va leur dire, venez, vous pouvez écrire ce que vous voulez parce qu'on va vous montrer des auteurs qui ont 30, 40, 50 ans, qui sont là, qui sont battus, et vous allez pouvoir faire pareil ou vous allez pouvoir faire encore mieux, quoi. C'est ça, ce qu'on veut faire. Et après, oui, donc, si les auteurs hétéros veulent venir au festival, ils peuvent venir, il n'y a aucun souci. Mais c'est donc pas là, le public. Oui, parce qu'effectivement, alors moi, ce qui me frappe avec les histoires d'entre-soi, c'est que par exemple, si je prends de très jeunes queers qui n'ont pas de problème, qui sont entre queers, mais par définition, si j'ose dire, et qui ont l'impression que c'est peut-être un problème, j'allais dire, de vieux, bon, enfin, il faut pas exagérer non plus, mais qui est, enfin, je sais pas, je pense à, je sais pas, le docteur Pralinus, pour prendre un exemple, qui, pour lui, ça va de soi qu'on est queer et qu'on peut pas être autre chose. Et son monde est queer, les gens avec qui il vit sont queer, il vit dans un monde entièrement queer. Donc, c'est pour ça que je pensais à cette espèce de joie, quand même, d'entre-soi, etc. Mais malgré tout, ce que tu as dit, c'est, on va reprocher aux gens d'être divisés. Et d'ailleurs, il y a qu'à voir le mot, hein. L, G, B, T, Q, I, T, D'un, tchun, 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 étoile. Voilà, donc on va reprocher aux gens ça. Mais est-ce que justement, l'intérêt, ça c'est vraiment la théorie de Donna Haraway que j'ai un peu développée dans mon essai sur la fiction transformatrice, réparatrice, mais ça c'est Emily Noteris, hein, fiction réparatrice, fiction, comment la fiction va-t-elle nous réparer, hein, c'est quelque chose qui est très important en ce moment, va-t-elle nous transformer, va-t-elle aider à cette transformation? Donc que disais-je? Oui, cet entre-soi, c'est pas forcément, tout le monde n'est pas forcément d'accord, c'est les autres qui reprochent constamment aux gens d'être divisés, c'est, je sais pas, penser simplement à politiquement les espèces de dirigeants qui disent « oui, la coalition est divisée, les gilets jaunes sont divisés, nananana est divisée », est-ce que c'est pas justement une force qu'il y ait, j'allais dire, des gays transphobes, ça paraît un peu provocateur de le dire comme ça, mais est-ce que c'est pas une force que justement les personnes qui se définissent comme étant, minorisées constamment, se regroupent et puissent parler entre soi, justement, avec toutes leurs différences, l'envie de se prendre le bec. Est-ce qu'on n'a pas le droit de taper sur un copain avec qui on n'est pas d'accord, comme les hétéros? Voilà, c'est ça la question, finalement. Chose un peu rapide, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? On a besoin d'espace.
espace de non-mixité pour pouvoir s'exprimer, pour se dire, bon, bah, là, je suis avec des gens comme moi, donc j'ai pas besoin de leur réexpliquer par A plus B avant, enfin, en préambule à toute discussion, ce que je suis, comment je fonctionne, etc. Ils sont déjà au courant, ils sont pareils. Donc, on va pouvoir parler de tout et n'importe quoi sans avoir constamment ce poids de la différence. Je sais pas si. Voilà. Si tu vois. Donc, ça va énormément aider cet entre-soi. Ouais. Ça ne veut pas dire que tout le temps au quotidien, on veut rester dans l'entre-soi. Mais il y a des moments où ça fait du bien. Et c'est très important. Ouais. Et ça, on le sait depuis les années 70, hein, avec les histoires de groupes non mixtes où les femmes pouvaient s'exprimer à l'époque sur des problèmes de, purement féminins. Même avant, en fait, parce qu'on dit, là, avec l'actualité, on dit que Martin Luther King était un parangon de la, de la mixité et tout ça. En fait, c'est faux. Hein. Il a dû réorganiser des réunions politiques en non-mixité parce qu'il s'était rendu compte que quand il y avait des blancs, il y avait un travail de pédagogie qui était tellement lourd à faire et de dire aux blancs qui étaient là, mais attends, oui, mais c'est pas vraiment votre faute, tout ça, il les rassurait constamment, mais c'est insupportable. Et dans les milieux queer, c'est pareil. Mmh. Oui, par exemple, oui, Sam Bourcier dit, j'en ai assez de faire de la pédagogie, les gens ont qu'à se renseigner, il fait de fureur, de rage, ras-le-bol, quoi. On n'est pas là pour leur réexpliquer tout depuis le début, que les gens fassent un effort. C'est vrai que... Bon, bah, il ne nous reste plus beaucoup de temps, est-ce que chacun il y avait une question sur le nom de plume, je ne sais pas si tu as vu, je t'ai envoyé. Ah non, je ne l'ai pas vu passer celle-là, alors, qui dites-moi. Dit, hein, une question de Catherine Chéchard qui disait, vous parliez du nom de plume, pseudonyme sous lequel on écrit, comment le choisissez-vous? Se donner un nom, c'est tout de même un acte important. Ce nom va rester. Oui. Vous conviendra-t-il malgré l'évolution dans le temps? Oui, voilà, j'ai vu. Pour moi, la réflexion sur le nom, en fait, je ne pense pas que le nom soit quelque chose d'important. En fait. Pour moi, on peut changer de nom comme on change de vêtements, parce que le nom, c'est une partie de sa vie, mais c'est aussi une partie de sa vie qui peut mourir ou qu'on peut abandonner. Et si à une époque, je me sens très à l'aise dans des jeans noirs moulants, est-ce que je suis condamné à porter à vie des jeans noirs moulants? Je pense pas. Et donc, pour moi, le nom, j'ai changé plusieurs fois de nom, en fait, et officiellement et dans la littérature. Donc est-ce que je suis obligé de garder mon nom? Je pense pas, en fait. Ça fait partie pour moi des étapes ou des choses, enfin, sans forcément que la personne que j'étais meure avant, mais d'une certaine façon c'est pas très grave, en fait. Donc c'est vrai que pour moi la problématique de se choisir un nom n'est pas aussi importante, que c'est pas un nom qui va me rester forcément à vie, en fait. Quelle fluidité. Et oui. Mmh. Et notre Sybille est un bel exemple, hein. Sybille Marchetto, qui a environ 250 000 noms. Est-ce que vous êtes d'accord, les deux? Alors, je suis d'accord avec la réflexion, mais moi, c'est totalement le contraire. Je vais pouvoir beaucoup évoluer. Là, j'ai l'impression de faire un coming out par an, tellement ça évolue. Mais mon nom, c'est mon nom. Voilà, j'ai une. C'est le nom que mes parents ont choisi, et je suis en phase avec, et je me vois pas en porter un autre. Donc c'est un peu paraître un peu bizarre, effectivement, surtout quand on parle de transition ou de nom d'auteur, mais que ce soit dans la transition ou dans le nom d'auteur, ben non. Même si un jour je suis vraiment auteur et pas autrice, que je décide, ouais, cette fois je suis auteur, ben ce sera Célia, ça continuera, parce que voilà, c'est mon nom. Ah, moi, c'est encore différent. C'est simple, on m'a prénommée Nathalie à une époque où une fille sur six était prénommée Nathalie, ce qui fait qu'à chaque fois que dans la cour d'école, on criait mon prénom et que je me retournais, c'était jamais pour moi. Je me suis sentie très vite détachée de ce prénom, à ne plus réagir quand je l'entendais. Dans ma famille, on me donnait des diminutifs, des petits noms, donc de toute façon, on m'appelait comme ça quand il fallait me gronder, donc je n'ai pas associé grand-chose de positif à ce prénom. Et pendant déjà très jeune, je me sentais dépossédée de mon prénom et je ne savais pas comment je m'appelais. Et chercher un nom a été une quête pour moi qui a duré des années. Et au final, j'ai trouvé, je sais pas, Sérian, ça a été une illumination qui est venue à un moment donné. Et c'est le nom avec lequel je me sens enfin bien. Voilà, surtout le diminutif Ser qui revient dans plein de mes personnages, qui est un son qui pour moi signifie énormément. Tous ces homonymes me parlent et correspondent à quelque chose dans ma vie. Et donc voilà. Si c'est maintenant le travail, c'est... vu que j'ai commencé à construire une certaine notoriété autour de mon nom de naissance, le travail c'est de réussir à inclure le nom, mon nom à moi que je me suis trouvé pour que ça ne nuise pas non plus à mes livres. Voilà.
Donc, il y a un Et compromis à faire. Sérian, ça vient d'où? Enfin, bon, broussailles, ça vient sans doute d'une joyeuse barbe, je sais pas. Non, non, rien à Non? voir, mais Ah. c'est un vieux personnage de bande dessinée, en fait. Mais en même temps, il y avait le côté, c'est chez moi, broussailleux, parce que je suis avec le temps, en fait, je suis quelqu'un qui paraît ordonné, mais je suis extrêmement chaotique, et je sais que ça, tout foisonne, en fait, autour de moi. Vous le voyez pas, parce que j'ai tout bien rangé, mais il y a des post-it partout chez moi, il y a des choses rangées dans tous les sens, et c'est vrai que Remarquable effort. je suis, en fait, je suis un chaos ordonné, en fait, donc, Ça se voit pas, Oui, mais donc c'est bon. la broussaille me convient bien et il y avait ce côté, il y avait ce côté un peu épicène chez Broussaille. On ne sait pas trop si c'est un homme ou une femme et ça me plaît bien aussi d'avoir des noms épicènes en fait. Oui, c'est ça, c'est la recherche du nom épicé. Et Serian, le cerf, est-ce que c'est le dieu Je fais cerf de... partie de Saragan, qui est le personnage qui est le plus proche de moi dans tous mes écrits. Mais bon, on peut se rendre compte aussi que dans un autre livre, à un moment donné, je mets un personnage féminin qui a quelque chose de moi, puisque c'est pas une humaine. Et elle, je l'ai appelée Serdane. Enfin, j'ai toute une déclinaison de noms qui commence par Ser. Et au début, donc dans FF14, qui est le MMORPG auquel je joue, mon personnage, quand je l'ai créé, j'avais créé Serdane tel que je le vois. Et je me suis rendu compte que, en étant moi, j'étais quand même pas lui. Et il me fallait un nom qui soit vraiment qu'à moi, qui soit pas lui, parce que lui, c'est le personnage du roman, c'est pas moi. Donc c'est très important pour toi, manifestement, le nom. Ça l'est pas forcément, manifestement. En fait, c'est pour certains, certaines, c'est pas très important. C'est une fidélité à sa famille, c'est une invention, etc. Mais bon, on peut, disons, conclure que le nom, c'est quelque chose qui reste malgré tout assez plastique et avec l'envie sans cesse peut-être de se transformer. Alors c'est peut-être bon. Alors avant de vous donner rendez-vous, salut les queers, on vous donne rendez-vous à Strasbourg. Alors ce sera quand ce festival tu as 18 la au 20 date? septembre et on fait un salon ouvert sur Discord dans 20 minutes. Ah, très bien. Donc, alors, rendez-vous sur Discord dans 20 minutes. Et Alors, on il me sera aussi reste. présent à Oui. l'AIOI convention en ligne qui aura lieu au mois de juillet. D'accord. Donc, tout le monde est en ligne hein, et on est sur Discord. Oui. Voilà. Donc, c'est... Donc, effectivement, alors, bon, bah, quelques minutes pour ne pas conclure, pour insister sur le caractère extrêmement fluide des identités queer, sur le fait que pour certains, certaines, ça veut simplement dire qu'on est contre le binarisme social insupportable, que tout le monde nous rebat et qu'on en a assez, et que voilà. Et pour d'autres, au contraire, c'est quelque chose de beaucoup plus politique, de beaucoup plus travaillé, de beaucoup qui œuvre, disons, une réflexion commune. Mais peut-être là, on en est à queer de tous les pays et de toutes les couleurs de peau et de tout ce que vous voulez, unissez-vous. Se définir comme queer, comme disait Marcel Duchamp, être artiste, c'est se définir comme artiste. Bon, bah, après tout, être queer, c'est peut-être se définir comme queer. Oui, vas-y. T'as une minute. Non. Non? Ah, j'ai cru que quelqu'un parlait, Oui. et excusez-moi. Bon, Bah, bah. on peut se refaire les Rainbow Warriors de Heyerdahl, mais en littérature. Oui, parce que c'est Je pense complètement que ça improbable. lui ferait Oui, plaisir. cette alliance où tout le monde est. Mais je sais pas, je peux finir sur Hannah Arendt qui disait qu'un des grands plaisirs de la vie sociale, de l'agora, c'est justement, c'est ça, et on n'a pas de raison de s'en priver. Les petites querelles, les petites alliances. Et je suis allié avec machin, et puis je me désallie, et puis je suis allié avec quelqu'un d'autre. Cette espèce de joie de la vie sociale pour lesquelles les Grecs quand même ont été prêts à sacrifier une partie de leurs contemporains qu'ils ont transformés en esclaves, en affranchis, etc. Tout ça pour le plaisir d'être, alors en l'occurrence des mecs, hein, il y avait une pauvre Vestale, certes, au fond du théâtre, mais bon, peu importe, mais en l'occurrence, la joie d'être sur une place publique qui soit la nôtre. Et c'est là-dessus que je vais donc terminer le streaming, si toutefois le streaming s'achève. Oui, bah, on va pouvoir dire au revoir, en Alors, fait. on peut dire au revoir à tout le monde. Les questions, on n'en a pas trop loupé. Non, je crois pas. Donc, bon, Non, c'est bon. à vous l'antenne, comme On on a, dit. ouais. À vous les studios. Bah, À vous les studios. et merci encore à chacun et Merci chacune. Cognac, j'ai. Merci d'être là et merci d'avoir répondu avec tant d'honnêteté et de gentillesse à mes questions largement Et improvisées. merci à toi. Merci. Et Au revoir. bonsoir à tous. Bonsoir. À tous, pas à tous. Oui. Tous.
Cette table ronde vient de se terminer, mais le festival continue tout le week-end. Le programme complet est disponible sur nice-fiction.fr. Les stands vous attendent sur notre serveur Discord. Pensez également à visiter nos expositions 3D et n'hésitez pas à intervenir dans le chat des conférences et tables rondes si vous avez des questions. De la lumière, ça fait un teint blanc de un teint terriblement blanc de vampire là. C'est bien, on est les enfants de la nuit en tant que oui là ça fait vraiment enfant de la nuit. Puis derrière j'ai ma moustiquaire dans laquelle je prépare mon repas du soir de moustiques. Je les capture et je les dévore. Alors, en tout cas, toutes les caméras marchent, le micro marche. Sérian, t'es pas un peu dans le noir ? Si, attends, je vais essayer de mettre un peu plus de clarté. Ça serait peut-être pas mal. C'est pour faire contrepoids avec mon vampirisme natif. je vais encore mettre. J'ai chaud, je mets la tête. Et si je veux aérer, je suis obligée de baisser le volet. Sinon, mes chats se sauvent. Oula, on entend mal. Il y a eu du Larsen. Vous avez entendu le Larsen ? Non, c'est parce que j'ai oublié d'appuyer sur la touche. Ah, d'accord, c'est mal. Donc, je disais. J'ai mal à la tête et j'ai chaud et donc pour avoir de l'air, je suis obligée de fermer mon volet parce que sinon. Non, mais ça ira. Mais je vais ouvrir un peu plus la porte pour avoir plus de lumière depuis la fenêtre du couloir. Tu sais, moi, j'ai le chien qui peut se mettre à aboyer comme un fou à tout instant sans que, comme je suis seule dans la baraque, je peux pas le confier à quelqu'un. Voilà. Donc, bref.